Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Failor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie, voilà, de faire une petite vidéo tranquillement. On va jouer, je pense, 1 heure ensemble. Voilà, histoire de vous occuper si vous, par exemple, vous êtes en période de vacances, etc., et que vous n'avez rien à faire. Ben, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on fait une vidéo de à peu près, je sais pas, là, je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer au final. Mais je pense à peu près 1 heure, un peu moins peut-être, enfin vers les 1 heure en fait, tout simplement. Et du coup, bah ouais, j'ai vraiment envie de faire ça aujourd'hui, parce que bah, je me suis dit, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live. Alors je suis pas en live vraiment, mais je suis juste c'est en live en même temps que je joue, je vous parle, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment prévu de sujet non plus. On pourra parler de petits trucs si vous avez envie et tout, mais j'ai pas vraiment prévu de sujet. Je vais juste essayer aujourd'hui de faire des top 1. Hein, on va essayer de faire au moins un top 1 durant cette vidéo, ça serait cool. Mais je vais essayer surtout de faire un top 1 défi. C'est-à-dire que je vais genre faire Only Pomp ou ça dépend en fait de l'arme que j'aurai, je pense. On va essayer de faire uniquement AR aujourd'hui, je pense, uniquement M4 par exemple. Mais voilà, on va essayer de faire des petits trucs aujourd'hui. Ça sera cool pour ajouter un petit peu de challenge. Si j'ai prévu quelques petits trucs quand même aujourd'hui, donc évidemment, c'est ma première partie, hein, comme dans toutes les vidéos qu'il y a effectivement sur. La chaîne, hein, quasiment, c'est à chaque fois mes premières parties de la journée et tout. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué, comme d'habitude. Et voilà. Donc, évidemment, je vois plein de vidéos sur YouTube, genre extrêmement skillées, genre des trucs de ouf sur des 48 kills et tout. Enfin, des trucs de fou furieux quand même sur Fortnite et tout. Et moi, je vois que mon niveau augmente pas, mais sachez que si vous avez fait cette remarque et tout dans les commentaires, c'est totalement normal, je vous comprends évidemment. J'ai pas encore sorti de trucs vraiment insane et tout sur la chaîne, voilà, comme des Gotha, etc. à fond ou autre, hein, y a pas que lui évidemment. Mais de toute façon, maintenant sur les vidéos YouTube, vous voyez que ça lag de ouf, voilà, je vous mens pas. Hein, c'est vraiment incroyable ce qu'il se passe. De toute façon, sur YouTube, maintenant c'est celui qui a la plus grosse sur Fortnite et qui sort le meilleur gameplay, le truc le plus ouf, le truc le plus insane. C'est comme les pranks, hein, voilà, clairement. C'est le truc qui va faire le plus de vues, incroyable, celui qui va faire le meilleur troll piège, etc. Enfin, ça me fait taper des barres personnellement. Mais aujourd'hui, c'est pas trop le sujet. Enfin, si, je peux en parler quand même. Mais en fait, moi, si je peux pas faire des trucs comme ça, les amis, si je peux pas sortir des trucs incroyables et tout, des trucs de ouf, c'est parce que, en général, en fait, je joue au jeu, donc à Fortnite, 4 heures par semaine. Voilà, parce que je fais 2 lives par semaine en général. Bon, là, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, du coup, mais voilà. Pour des raisons externes, hein, voilà, on va pas tout dévoiler non plus, mais il faut savoir que ouais, enfin c'est incroyable, hein, genre je ne joue que 4 heures par semaine, sachant que les vidéos avec les games, enfin du coup les gameplays que vous voyez des grands youtubeurs ou quoi machin qui jouent à Fortnite, qui font des vidéos régulièrement sur Fortnite, etc., qui vous sortent des gameplays de ouf. Mais sachez que 4 heures, c'est le nombre d'heures qui passent par jour, minimum. Et encore, c'est vraiment grand minimum, hein. Genre, c'est vraiment le minimum pour eux. Donc, sachant que moi, je fais ça par semaine, donc divisé par 7, bah, voilà, hein, on n'a pas du tout le même temps de jeu, on joue pas du tout autant, et du coup, ça se ressent dans les gameplays, etc. Parce que bah moi j'en vis pas en fait, genre de Fortnite, je ne suis pas lancé forcément à 100% 100% dedans. Faut savoir que bah voilà, j'ai mes études à côté, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai franchement bah voilà mes études à côté.
J'essaye d'avoir une vie sociable et tout, de sortir, etc. De me reposer, j'ai le sport, etc. Donc, je ne peux pas me permettre de faire 4 heures de Fortnite par jour, en fait, tout simplement. Donc, pour le coup, j'espère que vous comprenez à ce niveau-là pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence. Voilà. Voilà, je voulais un petit peu mettre ça au clair. Et je renie pas du tout les gens qui jouent 4 heures par jour, etc. Les grands youtubeurs, enfin, il n'y a aucun problème, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, il n'y a pas de soucis, mais c'est juste que j'aime pas trop être comparé à eux, parce que c'est pas comparable en fait, voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre prévu comme sujet? J'essaye également aussi de faire d'autres vidéos, hein, voilà, donc je fais pas que du Fortnite. Et j'essaye également de sortir des vidéos bien montées, bien travaillées, etc. etc. Donc c'est un peu chaud. Après, je me dis, est-ce que par exemple, bon, pas quand je vous sors un gameplay sur Fortnite, que ce soit d'un live ou autre, est-ce que ça vous intéresserait de voir des vidéos plus condensées, type un petit peu à la Skyheart, etc. Bon, c'est pas lui du tout lui qui a inventé, etc. Je prends juste ça parce que c'est le seul qui me vient en tête. C'est le seul que je regarde vraiment, que j'aime ce qu'il fait. Et je trouve que vraiment il a du skill, etc. Mais évidemment, il joue beaucoup également. Mais je voulais dire, est-ce que vous voulez un petit peu tous les moments en fait de la vidéo, que pas 20 minutes de vidéo, mais plutôt 5-6 minutes, comme lui fait par exemple. Vous voyez, je sais pas si ça pourrait être plus intéressant que les vidéos que vous regardez actuellement. Est-ce que vous ferez moins chier, etc. Ça, j'aimerais bien voir vos retours du coup dans les commentaires à ce niveau-là. J'aimerais bien vraiment que vous me disiez du coup qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement dans les commentaires. Ça ferait très plaisir. Voilà. Il y a eu un fight ici, mais bon, je sais pas où est le gars. J'aurais peut-être pas le réflexe de construire, hein, dès le premier truc. Puisque ouais, bah, comme je vous le dis, je joue très peu, donc à chaque fois que je joue, je suis obligé de retrouver les réflexes. Ça me prend au moins une ou deux parties. Donc sachant que j'arrive quand même à survivre, bah, du coup je perds facile 10-15 minutes. Donc après, il me reste un petit peu moins de temps. Et du coup, quand je joue là, j'essaye, voilà, comme maintenant, de faire des gameplays. Donc là, qu'est-ce que je pourrais tenter du coup, puisque j'ai drop un peu de pas mal de trucs, je pourrais tenter full pompe, hein, on pourrait tenter, pourquoi pas, parce que Lascar, bah, j'ai déjà fait, donc on pourrait tenter full pompe, on pourrait tenter aussi full sniper, mais ça va être très chaud, ma partie de chauffe, honnêtement, même les pompes, hein, parce que ces pompes là, si tu les loupes, enfin si tu loupes ta balle, t'es archi niqué quoi, donc d'ailleurs je vais mettre ça comme ça plutôt. Pour switch bien comme il faut, voilà. Non, ça peut être pas mal. Truc double pompe. Donc le principe évidemment du double pompe, enfin du défi uniquement en pompe, c'est de se rapprocher un maximum de l'ennemi sans se faire toucher, le prendre par surprise, c'est encore mieux. Voilà, histoire qu'on le prenne par surprise et qu'on le bute très rapidement. Et faut éviter bah du coup les snipers, les longues distances évidemment. Après moi j'aimerais bien, ouais, honnêtement me rapprocher du style de vidéo genre en mode vidéo plus best of, etc. Voilà. Ça pourrait être vachement vachement cool aussi. Enfin pas best of mais comment dire. Je vais mettre un condensé de la game quoi. Voilà. Dire ça comme ça. Au lieu de la mettre tout en entier, mais mettre que les moments intéressants, par exemple. Ouais, plus personne ici, je me mets trop à découvert. On va se mettre qu'un pompe à la main parce qu'en fait, sinon je vais avoir tendance à switch en fait. Ça va être le problème. Sinon, je vais penser qu'à switch en fait. On va aller à la zone.
pas où est le sniper, j'entends pas trop. On va essayer des fois si je parle pas c'est que je suis concentré. Hein. Vous en faites pas. C'est normal. On va essayer de se rapprocher. J'ai pas trop de ressources. Ça va être un problème pour le sniper. Ça va être un petit problème. Voilà, hop, tac, tac. J'essaye toujours de trouver des idées de vidéos à faire sur Fortnite et tout. Mais c'est vrai que c'est très très rapidement tout fait en fait déjà. Et le problème c'est que. En fait, le problème c'est que bah. Moi, vu que je sors une vidéo tous les 2 jours. Et que j'en vis pas, etc. Et que je, en général, je prépare les vidéos à l'avance. Par exemple, celle que vous voyez là, je l'ai fait 1 ou 2 semaines avant. 1 semaine et demie, je dirais. Du coup, il y a plein de trucs qui sortent enfin, très très souvent sur Fortnite. En fait, c'est très très régulièrement des mises à jour. Du coup, moi, je peux pas me sortir des vidéos sur la nouvelle arme ou le nouvel machin, nouveau mode de jeu, à l'heure où il sort. Parce que, ou alors faut que je décale tout et faut que je réussisse à avoir le temps de la faire le jour même. Ce qui est quasiment impossible en fait, hein, on va pas se le cacher. Surtout, ben voilà, quand on a un PC qui fait de la merde et une collection qui est correcte mais pas oufissime. Donc, c'est très compliqué, voilà, croyez-moi. C'est pour ça que je fais pas forcément des vidéos où les vidéos sur les nouveautés ça sort quand même 4-5 jours après. Parce que ben j'ai eu des problèmes pour la tournée ou alors c'est juste que j'ai pas pu la tourner avant ou il y avait déjà des vidéos de préparer etc. Enfin voilà. Sachez que voilà j'aimerais bien hein, mais c'est impossible. Hein, je peux pas avec mes études etc. encore une fois. Ma famille, j'ai pas que ça, j'ai aussi mon appart à gérer et tout, donc c'est très compliqué, voilà, mais on s'y fait tranquille, on y va et puis on verra ce que ça donne Fortnite quoi. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux toujours sur la chaîne, ça augmente toujours aussi énormément et ça me fait très très plaisir, ça fait vraiment extrêmement plaisir quoi, genre vraiment, vous êtes insane. Ça fait très plaisir, je ne monte pas autant que les gros youtubeurs qui font du Fortnite. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais bah peut-être parce que aussi je sors des vidéos moins ouf ou pas avec des gameplays aussi énervés ou des mises à jour qui sortent le jour même, etc. Ou des gros lives de 4-5 heures comme la plupart font. Ben ouais, mais je peux pas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Voilà. Comme pour toutes les raisons que je vous ai citées avant. Donc bah tant pis hein, voilà. Mais sachez que bah, si vous voulez m'aider, le meilleur truc à faire c'est surtout de mettre un pouce bleu sur les vidéos et de me partager en fait. Partager ma chaîne à tous ceux qui me connaissent pas, voilà, je sais pas, sur n'importe quoi. Les réseaux sociaux, etc. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, coup dur. Ça va être mort. Ça va se transformer en un challenge sniper, ça. Hein. Ça va être impossible. Ça va être impossible. Mais c'est ça que j'avais peur en fait. J'avais peur d'une balle de sniper. C'est ce qui s'est passé. J'ai pas trop de construction hein, je t'avoue gros donc c'est un peu chier ce que tu fais. L'impression qu'il vient vers moi ou je sais pas truc.
qui va venir ou je sais pas, c'est ça. Ça va être ouais, putain, ça va être impossible. Ça va être impossible, j'ai trop peu de HP en fait. Le gars s'est dit bah ça y est, je l'ai tué, non. On dirait. C'est bizarre quoi. Il me rush pas. Merde, putain, je croyais que ça allait passer à travers et non, ça passe jamais. Aïe aïe aïe. Attendez, on va essayer de le backstab. Hein. Je sais pas si c'était lui. C'était peut-être lui, ouais. Il est où? Super bizarre parce que en fait j'ai 45 HP donc je peux rien faire. On va plutôt le tenter le sniper. Hein. Que j'ai pas de balles en fait. Il fait peur celui qui est là-haut là. Sérieux là gros, putain. Bon, je déballe à un moment, t'sais. Je t'ai mis tellement cher là. Wesh, il est où? Je comprends pas. Je l'ai pas vu. What the fuck? Il l'a tué là? Non, je pense pas qu'il l'aurait tué. Je sais pas ce qu'il fait, celui là-haut là. Et je sais pas si celui qui est là est mort. Oulala! Cette game! Loin d'être dans la zone et je peux pas récupérer le stuff là-bas. Aïe aïe, cours pour ta life. Peut-être il faudrait que je me mette bien, genre. Aïe 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 aïe, putain, quel dommage. Ok, bon, bah on va retenter. On va retenter une deuxième fois. Putain, c'était vraiment pas mal. Mais en fait, j'avais pas de vie. Mais si j'aurais eu une vie, j'aurais eu de la vie, je l'aurais défoncé et des matériaux aussi. Hein, mais genre. Ok, bon, on va tenter du coup. On va tenter le.
Bah le défi sniper. On va vraiment tenter parce qu'on est plutôt pas dégueu aujourd'hui au sniper, donc on va le tenter. J'ai fait là une petite game tranquille qui était sympathique. Top 2 du coup. Je l'aurais tué, bah j'aurais gagné. Mais c'était trop chaud en fait. C'était impossible parce que j'avais 30 HP et il était trop bien placé. Honnêtement, donc genre par contre je croyais que ma balle avait touché à la fin alors que non. Sinon ça aurait été insane, ça aurait fait bah top 1 only sniper déjà. Mais comme quoi c'est faisable genre, tranquille. Donc on va essayer de jouer tranquille, pas trop rusher, enfin de pas être au corps à corps. On va essayer de garder les gens au loin. Le but du sniper au final. Et bah déjà va falloir qu'on drop un sniper. Donc va falloir quand même essayer de jouer pas mal pour avoir le sniper. Tac tac tac. On va essayer de drop à Pleasant. On va quand même drop à Pleasant, même si c'est très loin. On va drop maintenant. Voilà. Et on va ouvrir le parachute avant. Voilà. Parce que bah, on va être dans une zone tranquille. On aura beaucoup de loot. Enfin tranquille. Par rapport à l'axe de la map, quoi. Enfin genre. Il va y avoir quand même peu de gens qui vont y être, tu vois. Genre, il y a déjà des gens qui sont en train de se fight. Donc, hop, là, on y va directement. On lâche le parachute. Ça devrait le faire. On devrait même être vers le truc du fond. Donc, on va voir. Après, il y a des gens qui vont drop avant. Il y a des gens qui vont drop évidemment dans la ville où on va être. Mais franchement, top 2 là. Dès la première partie, top 2 au sniper. Bon, on était presque, hein, dommage. Mais bon. Tu vois, ça j'aurais pu le poster dans un défi fail. Bon, après, voilà, on n'est pas non plus à ça après. Parce que je vais en faire d'autres, je pense. Mais. Ah, j'arrive mieux à gérer le sniper, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, plaisir. Il y a une personne au moins. Ok, très bien. J'espère que je vais avoir un sniper. Par contre, en ville, ça va vraiment être la merde. Genre. Aïe, aïe, ça va être dur. Ça va être très très dur. En ville. Après, pourquoi pas. Peut-être on va voir hein, suivant l'arme qu'on a quoi. Mais, aïe 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 aïe, on a. Oh là là, on a vraiment le jour de chance avec nous en plus donc. Celle-là c'est la bonne. Non, celle-là vraiment c'est la bonne. Hein. Est-ce que je vois déjà le gars ou pas? Ah, je vois un gars là-bas. Bah, il est pas mauvais en plus, j'ai l'impression. On va mettre ça. Tac. Tac. Voilà. Bon. On va pas refaire la même connerie hein, que la dernière fois. Que la première fois, déjà. On va prendre beaucoup de ressources et tout. Hein, voilà. Pas faire de même connerie honnêtement si j'avais eu des ressources je pense que j'aurais pu gagner hein, genre après il m'en manquait aussi de la vie mais honnêtement il y avait une grande chance que je gagne ça se fight là-bas essayer de garder ça au... parce qu'en fait c'est les deux seuls de la ville. Dommage. Parce que là, si je les ai pas là, ça va être chaud. Hein. On l'a vu, il rentre. Il ressort. Ok. J'ai plus que 5 balles en plus. Ça va être chaud. Nice. Je vais pas me tirer une bonne balle. On va juste lui tirer ça pour lui mettre la pression. Aïe aïe aïe.
Putain, je touche toutes mes balles, mais ça va être très chaud, quoi. Putain, je vais faire un truc bizarre. Aïe, aïe, j'ai pas de... Ah là là, c'est trop chaud, impossible, impossible. Non, bah on reste concentré, on reste focus, focus. Et on va pouvoir le faire. Non, mais c'est chaud là. Aïe, 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 aïe. Tu peux lancer un live ce soir, je suis chaud. Non, je lance pas de live. Moi, je suis pas chaud. Voilà. Non, mais. Vous voyez, du coup, du coup, ça va être les 1 heure là de vraiment tenter full que le sniper. Mais ah bon, après, comme on a fait 20 minutes de game déjà, la première game, c'est sûr que ça a été chaud. Mais là, vous voyez que les difficultés que je rencontre au niveau du sniper, c'est ça. C'est uniquement ça, c'est le corps à corps, quoi. Genre, honnêtement, là, les 3 quarts des balles, je les ai toutes touchées durant toute la vidéo, là. Les 3 quarts, voire plus. Mais là, juste celle-là, là, au corps à corps, qui était dure, quoi. Ben, celle-là, elle passait pas. Celle où je lui ai mis une balle quand je me suis retourné, en plus, qui avait un bon skin. En mode, oh. Allez, hop, terminé. Non, mais je suis pas mauvais, mais je parle juste au sniper. Hein. Ne pas prendre la confiance non plus, ça va, tranquille. Mais juste au sniper, ça va. J'aime beaucoup jouer au sniper, vraiment, je trouve ça ultra stylé et tout. Bon, à part quand t'es derrière le bois et que tu vois un petit trou et que tu remontes juste pour tirer, bon, ça c'est un peu moins stylé. Mais enfin, moi, c'est mon avis perso, hein, évidemment. Évidemment, après, si tu veux tryhard et tout, moi je n'hésiterais pas à faire ça hein, si je devais tryhard, effectivement. Hein, si j'étais en 1v1. Et que je faisais le top 1 comme ça m'irait très bien hein, si je faisais un défi. Only sniper, mais bon, je trouve ça pas ultra stylé. Où est-ce qu'on pourra aller pour que ça soit un peu plus tranquille dans les fights? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il faudrait aller dans les petits trucs comme ça là, sauf on a très peu de chances de récupérer un sniper en fait. On va retourner à Cuisance parce que je vois que ça en fait, honnêtement. Je vois que ça qui peut être vraiment cool. Parce qu'après le reste. Ouais, non. Le problème de Plaisante, c'est que c'est des zones en fait. Si le gars est là sur mon curseur et que je suis là, ça va, tu vois, je vais pouvoir essayer. Mais comme là j'étais au milieu et que j'avais là, ça va, je pouvais essayer. Et s'il restait à cet endroit, ça allait. Mais là, il a commencé à me rush. Surtout que j'avais très peu de balles de sniper. Comme là, s'il y a quelqu'un à gauche, ça va être très compliqué, honnêtement. Donc j'ai essayé de me mettre le plus loin possible. Mais je sais qu'il y a quelqu'un du coup à ma droite. Après, on va voir suivant si on a un sniper ou pas. Si on n'a pas sniper, on va tenter autre chose. Faut pas rester bloqué sur un truc, vous voyez les amis. Si vous voulez tenter des petits défis comme ça, restez pas bloqué comme ça, genre faites par rapport avec l'arme que vous avez sur le coup et que vous utilisez pour la première fois. Voilà, vous faites votre premier kill, tout simplement en fait. Si vous faites votre premier kill au pistolet, bah tentez-le au pistolet, tu vois par exemple, ou je sais pas. Si vous êtes au fusil d'assaut, bah, tentez-le au fusil d'assaut. Enfin voilà. C'est pour ceux qui veulent de la plus de difficultés, hein, évidemment, je parle. Hop, tac. C'est bien comme ça. Le truc, c'est qu'on va vouloir tous les deux rush cette maison-là. De rush cette maison là, nice, nickel ça. Oh, génial.
pas en fait. Faut vraiment se barrer le plus vite possible. J'ai un feu de camp. Ça c'est vraiment bien qu'il ait mis ça. J'aime bien, c'est plutôt cool genre. Après je vais me prendre une balle. Bon du coup on va être obligé de faire que full pompe. Donc on va tenter full pompe, écoutez les amis. Il va falloir masse de construction. Bras au combat rapproché. Ok. On sait déjà à quoi s'attendre au moins. C'est parfait. Je sais pas à quelle heure j'ai lancé le record, hein, je parle du record évidemment. En plus il a une scar quoi. Putain, c'est incroyable, j'ai meilleure arme du jeu quand je suis pas là quoi. Enfin quand je peux pas l'utiliser. Bon. Allez, on va se mettre un petit kit. Histoire de se remettre un peu full vie quand même, on a 70. Comme ça on sera 100-100 et on va pouvoir vraiment gérer le prochain fight de la ville. Parce que je suis dans la zone, donc il va y avoir encore des gens dans la ville. C'est sûr et certain. J'aimerais avoir beaucoup de construction, de matériaux. C'est vraiment cool. Vous montrer. On était pas que tous les deux quand même. Ça me paraît. Enfin, c'est probable, hein. C'est possible aussi, mais. Si toutes les maisons sont fermées là. Drop il arrive dans longtemps, non? Putain, attends, je suis sur le drop en plus. On va se mettre plutôt pas mal, non? Un Bambi là quand je me promène comme ça, voilà. C'est chaud. Non mais je sais pas trop ce qui se passe en nuit. La nuit, je bégaye. J'arrive pas à voir ce qui se passe. Hein. C'est incroyable. Bon ça, je le prends juste pour que personne le prenne. Le prenne, pardon. C'est pas très poli comme ça. Après j'aurais bien aimé m'en servir. Je fais un truc ce build ou c'est moi? Ah oui non, il n'y a pas de d'accord. Aïe aïe. J'ai mis une balle, mais ça m'a pas suffi. Dommage, putain, j'ai trop le seum. Bon, je pense qu'on va à peu près en faire une dernière de chez dernière. Dommage. Alors, j'ai vu un truc se construire, genre un peu. Je me suis dit, c'est un bug graphique, c'est quoi? What the fuck? Et au final, non, c'était bien quelqu'un qui build. Sauf que le problème, c'est que, genre. Je croyais qu'en construisant un escalier, il aurait plus la vision sur moi en fait, sauf que si, complètement. Du coup, j'ai mal joué de ouf, et j'ai réussi à lui mettre une balle quand même, mais ça n'a pas suffi, ça ne l'a pas one shot, dommage. Et ben, voilà, j'aurais dû me jouer, j'ai essayé de je voulais essayer de monter quand même, hein. Moi je voulais essayer de lui faire un petit câlin, mais bah, monsieur ne veut pas. Bon, après, pas juger, hein, mais bon. Pas très sympa quoi. Bref, allez, let's go.
Dernière partie du coup je pense, après ça sera la fin de cette vidéo, tranquillement on va essayer de faire du coup le dernier défi. Quand même dans cette vidéo vous aurez eu des bons kills au sniper et tout, donc je suis quand même assez content. Ça fait quand même assez plaisir j'avoue. On a deux choix, soit Anarchy, soit Retail Row. Honnêtement je préfère Anarchy pour le sniper, parce que les zones sont moins serrées quand même. Genre les zones... Ouais, sont moins serrés en fait, tu vas quand même avoir plus de chances de tuer quelqu'un au sniper dans cette zone. On va essayer de prendre un... Le but ça serait de quand même de prendre un sniper et d'être full vie ou un truc de genre, enfin full bouclier par exemple, et de se barrer très vite en fait, de rester vraiment pas dans les villes, parce que j'ai peut-être fait l'erreur justement de rester dans les... trop dans les villes. Il y a deux parties là où j'ai essayé de faire des beaux kills. J'ai fait des bonnes balles mais je suis pas allé au bout. Peut-être que justement à ce moment-là, genre tu vois, je suis trop resté dans la ville. Du coup ça m'a coûté la game. Il y a une ou deux personnes dans la ville, ce que j'ai vu. Ok. Moi j'ai pas grand-chose hein. Serait bien déjà que je réussisse à faire le petit défi AR. Honnêtement. C'est vrai que j'entreprends celui du sniper déjà dans la vidéo, avant que j'ai pas fait celui de la R qui est censé être plus facile. Après, ben, moi je trouve que c'est pas vraiment plus facile ou moins facile, tu vois. Vraiment. Ça dépend des joueurs en fait. Il y a des jours où je vais être vraiment bon au sniper, des jours où je vais être moyen comme là. Et il y a des jours où je vais être mauvais, tu vois, comme tout le monde, quoi. Est-ce qu'il est le gars, du coup? Je sais pas. J'ai pas réussi à voir. Ça, c'est pas mal. Juste monter, en fait, pour être plus safe. Quand même bien avoir le petit sniper ou un truc quoi. Voilà, ou une arme comme ça par exemple. C'est vrai qu'il y a le truc silencieux aussi, le petit défi silencieux, peut-être pas mal. Et là on va tenter pour l'instant juste un AK du coup hein. Pour le coup on a que en AK. Après je suis sûr que je vais me faire laver par le gars parce que je le vois pas. Putain, je suis aveugle en plus, je suis fatigué. Ça aide pas du tout quoi. Je vais prendre les deux petites caisses de munitions, c'est toujours assez utile hein. J'ai vu le gars au fond, j'ai vu un gars au fond. Au fond du fond. Sauf que j'ai 60 balles. Je pense pas qu'il ait réussi à aller directement vers la droite là. Hein. Aïe aïe. Le truc c'est que je peux pas le rush en fait.
quoi, mais je suis en plein sur sa tête, hein. Je suis en plein dessus, c'est incroyable ce qui se passe, hein. Quoi? Il a pris du shield? D'accord, j'ai pas compris ce fight, j'ai mis tous les plus gros hits de la Terre, mais non, ça n'a pas suffi. Dommage pour moi. Dommage. Bon, du coup, on est à peine 1 heure de vidéo, genre peut-être un truc, ouais. Voilà, on a fait 3-4 games, un truc de genre dans cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Vraiment, j'ai bien kiffé la game au sniper, on a failli faire top 1 only sniper, on a fait top 2, dommage. Voilà, on le retentera une prochaine fois, sûrement en live, etc. Et voilà, surtout n'hésitez pas à répondre si vous voulez plus de condensé pour les prochaines vidéos, pas celle-ci, ça sera pas condensé, mais plus les prochaines. Voilà. Il y a également un best-of des meilleures actions, etc. Ou des plus gros fails sur les lives qui sont en train de se préparer tout ça, mais il me faut encore plus de clips, donc il faut encore plus que je live effectivement. Et du coup après à ce niveau-là, quand j'aurai une vidéo à peu près de 10 minutes, je vais pouvoir faire un best-of. Voilà, donc ça sera plutôt correct, et ça je vous uploaderai ça sur la chaîne également avec un petit peu de montage. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours très très plaisir et ça encourage le youtubeur, du coup c'est moi, pour le coup, hein. Et n'hésitez pas également à commenter la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.